بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 76 sur le cours de dérivation et études de fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction définie par f de x est égal à x au carré moins 4x. On considère les points A de coordonnées 1 moins 3, B de coordonnées 4, 0 de la courbe CF de la fonction F. Déterminer le point M de coordonnées alpha F de alpha tel que la tangente à la courbe CF au point M soit parallèle à la droite AB. Réponse. On a f de x qui est égal à x au carré moins 4x. F est continu sur R, en particulier sur l'intervalle 1, 4. 1, c'est l'abscisse du point A et 4, c'est l'abscisse du point B. Et F, dérivable sur l'intervalle ouvert AB. C'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 1, 4. F de 1 est égal à moins 3, car le point A de coordonnées 1, moins 3 appartient à la courbe CF. F de 4 égale à 0, car le point B de coordonnées 4, 0 appartient à la courbe CF. D'après le théorème des accroissements finis, il existe au moins un alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 4, tel que f' de alpha est égal à f de 4 moins f de 1 sur 4 moins 1. Bon, là, le théorème dit il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle AB ouvert AB tel que f' de alpha est égal à f de b moins f de a sur p moins a. F de 4 c'est 0, moins f de 1 c'est moins 3, sur 4 moins 1 qui est égal à 3. Donc ceci est égal à 3 sur 3 qui est égal à 1. On a f' de x qui est égal à x au carré moins 4x, le tout prime qui est égal à 2x moins 4. Donc, f' de alpha est égal à 2 alpha moins 4. Donc 2 alpha moins 4 est égal à 1. D'où 2 alpha moins 4 est égal à 1. Alpha est égal à 5 sur 2. Alpha est égal à 5 sur 2.
f de alpha, c'est-à-dire f de 5 sur 2, est égal à 5 sur 2 de tout au carré moins 4 fois 5 sur 2. 5 sur 2 de tout au carré, c'est 25 sur 4, moins 20 sur 2, ou bien moins 40 sur 4. Donc ça donne moins 15 sur 4. La tangente T à la courbe CF au point M de coordonnées 5 demi, c'est-à-dire alpha, F de alpha, c'est-à-dire moins 15 sur 4. Bien sûr, cette tangente est parallèle à la droite AB. Car T et AB ont la même pente 1, ou bien ils ont le même coefficient directeur, la même pente 1. Maintenant, on va s'assurer que notre travail est correct. Bon, ici, j'ai pris l'application GeoGebra. J'ai ici f de x qui est égal à x au carré moins 4x, x compris entre 1 et 4. J'ai tracé la courbe, je vais vous la montrer. Et j'ai ici tracé le point A de coordonnées 1, moins 3, et le point B de coordonnées 4, 0, et le point de coordonnées 5 sur 2, moins 15 sur 4, c'est le point M. C'est le point M, c'est le point M. C'est notre point M. Voilà, c'est fait. Ah oui, le point M de coordonnées 5 sur 2, moins 5, moins 15 sur 4. Alpha, c'est 5 sur 2. Donc, quand je fais la figure ailleurs, هاي هي الفيغور ديالنا تنحيد هذا البوان سي فوالا دونك لا كورب سي اف هي هادي كوم فوي اي كونتينو سور لانترفال 1 4 اي ديريفابل سور لانترفال اوفر 1 4 هنا 1 وهنا 4 هنا لو بوان ا هنا لو بوان بي دونك اش قلنا تيوريم دي زاكروسمون فيني. Il existe un certain point, il existe un certain nombre, bien sûr, alpha, tel que la dérivée en ce point est égale, ou bien f' de alpha est égale à f de b, f de b, je vais dire par b, l'abscisse, l'ordonnée, l'abscisse du point b, et moins f de a, l'abscisse du point a, sur b moins a. F de B moins F de A sur B moins A. Autrement dit, c'est-à-dire la tangente en ce point, M, elle est parallèle à la droite AB. Comme vous voyez ici, lorsque j'ai pris le point M de coordonnées 5 sur 2 moins 15 sur 4, donc je l'ai trouvé qu'il appartient à la courbe CF, donc il n'y a pas de faute de calcul. Autrement dit, lorsque j'ai tracé la droite qui passe par M et qui est parallèle à et qui est parallèle à B, comme vous voyez, elle est tangente à la courbe CF en M. Donc tout le travail qu'on a fait est correct. Et de nouveau, dans le théorème des accroissements finis, il est qu'on a la fonction continue idérivable sur un intervalle. Alors il existe un certain point M qui appartient à la courbe CF, tel que la tangente en ce point, elle est parallèle à la droite AB. Mais donc la tangente en ce point, c'est le nombre dérivé de M de F en ce point-là. De coordonnées, bien sûr, alpha, F de alpha.
Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.